Putain, tu m'as fait flipper, bâtard. La détection de métaux est soumise à des règles, veillez à bien les respecter. Bonne vidéo à tous. On dit que le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Il ne faut jamais penser que de petites actions n'ont aucun impact sur ce que l'on ne voit pas. Aussi petit qu'est le déchet que tu enlèveras de notre mère nature, ne doute jamais de la grandeur et du bienfait de ton acte. Avec Gauthier, on vous emmène encore une fois chez nous. Et plus exactement, dans ce bois, situé pas loin de cette rivière, où nous avons fait deux sorties prospection. Et oui, j'ai oublié mon casque. Alors, désolé pour le son du détecteur sur la première partie de cette vidéo. Ouais, c'est de la merde. Ah, mais ça filme, c'était en train de filmer. Bah, bonjour. petit trou, petite merdouille. Nouvelle vidéo avec Koss. Bon, aujourd'hui, j'ai la télécommande en main parce que j'ai oublié le casque. Putain, j'ai foutu la télécommande là, ce sera plus pratique, je pense. Tac. À la balle, j'aurais dit une balle. T'es en coin de dip ? Ouais, je suis en usure coin, mon mode. En 30 kilos donc ? Non. Allez, mais c'est de la merde, c'est là. C'est de la merde, c'est là. Ouais, c'est de la merde, quoi. Tu dis ça, toi ? Ouais, ça saute. Ça sonne comme de la merde maintenant, ouais. Vraiment. Donc. Ah, c'est peut-être pas forcément de la merde. Ah non, ça se trouve, c'est une grosse bague. Vas-y, repasse maintenant. Un détecteur aussi. Fruit, il m'isolait rien. C'est juste une grosse bague. Avec un gros diamant. Ouais, je te vois, j'essaye. Waouh. Ouais, non, c'est vraiment vite. Trop belle. Trop belle. Anneau pénien. Pour un petit pénis. Ah oui, non, c'est bon. C'est la moyenne des Français, ça. Chier, un prochain coup, on a toute la boue. Oh oui, ça sonne bien, ça, non ? 90, ça vient de faire un petit bête, alors... Ouais. Oh, c'est une petite vierge. Non. Ah non, c'est une balle. Une balle. Ouais, excellent. Bah ouais, j'ai vu la vierge. Regarde, j'ai cru que c'était une petite vierge comme ça. T'as vu la vierge. Tu sais, je sais pas, avec ce truc là, tu vois. Ah, une petite vierge. Ah oui, vu comme ça. Comment je suis trop pas habitué sans le casque. Ah, bâtard. Bah. Ah. On cherche un trésor en fait. Bah ouais, on cherche les trésors. Les trésors des Bermudes des Vosges. Ça te dit rien? Non. Dommage. Pardon, je t'écoutais pas. Hein. Non mais c'est pas grave. C'est... Bon, regardez, vas-y. Honnêtement, ça sonne très mal. Ça sonne très mal en dessous de la racine. Il y a des endroits, ça sonne plutôt bien et fixe. Alors moi, je vais regarder. Regarde, voilà. Et descends. Redescends un peu là-haut. Et tu le prends dans le sens là, il est dégueulasse complet. Ouais. Ouais, faut aller voir. Et là, il a un autre son juste ici. Donc on va fouiller par là, les amis.
Moi, c'est ça, les amis. Je sais pas qu'est-ce que c'est. De la ferraille. Ça a été travaillé. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Ah voilà. Et boum, la télécommande. Ouais, ça va être pas pour moi. C'était ça. Ouais, c'est particulier ça. Quand même. Je sais pas. Je te prie. Ouais, je sais pas, c'est particulier. C'est un peu sec. Ah ! Ça y est, c'est sorti. Ah, quelle grosse merde est sortie, c'est ça. C'est ça, les amis. C'était très visible. Toi, c'est du plomb. Ah bon ? Ouais, on dirait bien. Moi, ça m'étonne. Ah bon ? Ça n'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est pas lourd. Aïe ! Comment ça ? Bah, tu me rends sur sécu ou pas ? Mais non, mais tu m'as tapé avec l'angle là, dans le mollet. Bah, oui, bah tu vois. Non, franchement, voilà. C'est de la précision. Oui, précision. Ouais. Alors ouais, je sais pas pourquoi il a plus d'écorce. Des animaux géants, là, j'avoue. Peut-être. Peut-être quand il a craqué. Et pourquoi il n'y a pas d'écorce ? Tout sec, quoi. Monsieur, il va tomber. Là, on va tomber. Ouais. Voilà, voilà. Peut-être un son. Peut-être un son. Enfin, un son. Tain, on est dans un bel endroit, là. Ah, c'est sympa. Ah, il commence déjà à être un peu plus gras. J'ai enlevé trois fourrés. Deux épines de sapin. Ça va le faire, ça va le faire. Ici. Des calottes. Oh! Félicitations, c'est un garçon. 77. Ça veut dire, c'est quoi? C'est son poids ou c'est sa taille? La taille du crâne, monsieur. Circonférence. La taille de son sexe. Allez, suspense. Putain, salope. C'est pas possible. Il se déplace. Oh, bâtard! Une monnaie. Bien joué. Ouais. Ouais. Tu peux m'envier si tu veux, mais ça vaut pas le coup. On verra. Mettre un coup de brosse à dents, on verra bien. À mon avis, elle est foncée. Non. 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 Ouais, les amis, on la nettoiera chez moi, celle-là. Tu vois, c'est chez moi, quoi. Non, mais que je vois au moins si vraiment il reste un truc dessus. Il reste rien du tout. Mais si, qu'il reste. Ah, voilà. Pourtant, pas de sapin ici. Une monnaie. Bien joué. Ouais, ouais. Bravo détecteur. Ouais, bravo détecteur. Tu sais bien manier le détecteur du coup. Tu es un bon manieur. Ça c'est rond. C'est rond aussi moi, mais. Pas terrible. Attends. 34 et avant. Si moi j'aime bien ça. Ah, oh, ben qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi tu fais tomber des branches là comme ça? Ah, moi, ça va. Pourquoi tu casses la nature, Gauthier? Je rajouterai du vent si tu veux, pour faire s'il y a une tempête avec tout ce que tu me fais tomber sur la gueule. Hein? Ah. Serait-il ça, par hasard? Aïe! Attends! Regarde, c'est un morceau de balle. C'est la tempête, les amis, c'est la tempête, hein. Mon dieu, mon couteau, regardez, il y a tout qui s'envole. Il faut y aller, les amis, il faut y aller. Merdouille. Tiens, Cos, j'ai trouvé une plume pour ton chapeau. Oh yes, merde. Elle est belle, celle-là. Ah, ça, c'est de la belle plume, hein. Elle est grosse, elle est un peu moche, hein, non? Bah non. Il y en a vite. Je vais la mettre pour te faire plaisir. Ah ouais? Ah non, faut que tu mettes les côtés tigrés et voyants, ils sont... Oh ah, putain, ils sont non, puis t'as vu la taille du bordel, hein. Effectivement, on dirait un bite. Ah bah tu... Nessie. Oh purée, magnifique. Eh oui, mon gars. Indiana Jones. Allez, une note sur 10, en commentaire. Hop. Une petite boucle, non, là, ça, Gauthier. Ça double, normalement, pas de boucle. Ouais, une boucle bien rouillée, quoi. Ouais. Allez, une petite merde là. Oh, puis je creuse avec les taupes. Regardez, c'est ça.
artefacts mystérieux. Tout à fait. À mon avis, c'est une partie de la machine denticitaire. Pardon ? C'est une partie de la machine denticitaire. D'accord. Non, c'est pas ça ? Oui. Les amis, faites vos théories en commentaire. Putain, tu m'as fait flipper, bâtard. Putain, moi j'ai montré ça au-dessus, tous les arbres qui sont effondrés, qui tiennent sur l'arbre là. Ça fait trop peur, il passe en dessous. Mais non, ouais, il m'a fait plus peur. Regarde là, cause. Ça fait comme un abri. Je pense qu'à 1500 ans, 2000 ans, ça a dû être utilisé par des... Le beau, il a bien pris le choc. Hein. Par des Romains. Là, bien sûr, regarde. Tout entrelacé comme ça. Même les arbres de la tempête, ils sont plus là. Hein. Regardez les amis, ça c'est les traces de main de l'homme. Regardez les arbres, comment ils sont entrelacés. Du vent, du vent. C'est toujours en pleine tempête encore. Regardez ces étranges artefacts. Qu'est-ce que c'est? Les charnières d'une porte. Regardez là. Encore les charnières du bas de la porte. Gauthier, ton sac. C'est ça, ouais. Allez, Gauthier, dans ton sac, s'il te plaît. Il n'y a pas de pointe. J'aime percer le dos avec tes conneries. Et non, c'est bon. Je vais mettre dans le mien. Je prends les pointes. C'est qu'une question de pointe. Ah, putain, attends. Bon, il y en a, elles sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Forgeron de l'extrême. Putain, elle bouge pas d'un poil les pointes. Oh, si, je l'ai tordu. Oh, putain, je suis en train de casser les artefacts. Mais tu m'étonnes, moi. Voilà, Drac, elle va te défoncer. Voilà. On va péter leur... Charnière de porte romaine. Bah, ça passe même pas dans ton sac, je vais mettre dans la mienne. Ah oui ? Non. Oh, 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 il y en a encore. Il y a encore des artefacts, mon ami. Je ne sais plus comment j'ouvre mon sac. Ah, on dirait bien que c'est là. Regardez les amis, on a trouvé le verrou. Oh putain, c'est quoi, il y a des bestioles après moi. Trop bien. Il y a un son là. Et celui-là, il est enterré. Et voilà. Le trésor est là, les amis. Oh, c'est encore une grande barre, ça, non? Oh, je l'ai fait voler. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ou cachez tout? On bouge le trou. T'as trouvé la serrure. Et peut-être bien la clenche. Ouais. Là, je me suis dit du coup que tu la voudrais dans ton sac celle-là. Oh. Bah la serrure, parce que c'est du poids, c'est du bois de ferraille. Il y a du tout là-dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Gauthier. Non, mais dans le mien, c'est déjà bien lourd. Bon, je suis sûr. Allez, j'ai pris les deux barres, là. Ah là, regardez, c'est pas lourd, là. Puis avec votre sac, en plus, c'est magnifique. Hein, vous direz, votre papa, il est génial. T'es plus jeune dans ta tête, toi. Faut que je vous montre un truc, les amis. Ah. Pourquoi? Pourquoi un point d'interrogation? Pourquoi? Pourquoi? Où? Où? Qui? Quand? Qui? Quand? Comment ça? Point d'interrogation. Hein? Ça fout, ça frotte, c'est un arbre. Ah, ils connaissent peut-être pas la race, en fait. Bah oui, ah, vu comme ça. Je pensais pas ça. Titou! Titou! Pourquoi Titou? Peut-être pour faire parler les connards. Ah, bien vu. Pourquoi, mon Titou, pourquoi? Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Une nouvelle journée, une nouvelle sortie, on est juste le lendemain en fait, mais toujours le même bois. Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais leur dire ici, mais merci à vous les abonnés, grâce que vous commandez avec le code thérapie pour avoir moins 5% de réduction sur la maison de la détection, saloperie de guêpe. Et eh ben du coup, ça me permet d'avoir des trucs comme ça, du coup, hein. J'ai réussi à avoir le... Hein? C'est pas une guêpe. Si, c'est une guêpe. Non, tu
serais en train de pleurer sinon. Là. Bah oui, mais non, c'était une guêpe. C'était une bestiole, bref. Du coup, voilà, merci à vous. Du coup, ça me permet la maison de la détection. Et merci à Melvin, hein, du coup, qui m'envoie ce genre de choses. C'est super cool. Et c'est grâce à vous, parce que du coup, vous commandez avec le code. Et merci. Franchement, c'est vraiment cool. Vous, ça vous fait profiter d'une réduc. Et puis, bah, moi, du coup, ça me donne des avantages. C'est cool. Vous êtes les meilleurs. Allez, des bisous. Ah. Bon, nous sommes putain dans les bois de la commune. C'est moyen. C'est moyen, ça prend rien sur ça. C'est là. C'est là. C'est safe. Bah oui. Ouais. Ouais, c'est moyen. Ça crachouille un peu. Ça mérite un coup de pelle, mais. Ça mérite un coup de pelle. Un coup de pelle et Sébastien. Ah, ah. C'est sorti. Ouais, c'est sorti. C'est vraiment bien de la merde. Je crois que ce serait ça, non? C'est pas ça ce qu'on voit là? Peut-être. Tiens, tu veux pas essayer ton nouveau pinpointeur? Allez, on va essayer, on va essayer. Oh. Et premier test du pointeur. Top, les abonnés, ils t'offrent des beaux pinpointeurs et tu me laisses encore faire mon délire. Bah, nous. Bah, bravo. Il est encore bien réglé le machin là. Ouais, je crois que c'est pas ouf comment il est réglé là. Il doit être réglé sur petit. Allez, laisse faire le pro. Je crois qu'il est comme. Ah, il est en train de faire la parade amoureuse. Il est éloigné. C'est ça, c'est une grosse merde. Ah oui, d'accord. Ok. Eh, mais comment je fais pour régler? C'est une. Ah, c'est une fibule. Oui, une fibule. Mais oui, c'est une fibule. Bien joué. Voilà, titre de la vidéo. On trouve une fibule. C'était un crochet pour enlever le cerveau des. Pour faire des momifications, arrête. Non, pour accrocher des petits pots de fleurs. Oh, allez, allez, allez. Des petits pots de fleurs à trimballer comme ça. Ah, regardez, c'est génial. C'est vrai que c'était la mode à l'époque. Bah, bien sûr, ouais, ils accrochaient des petits pots de fleurs comme ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas de parfum. Du coup, comme ça, après, ils sentaient bon avec les fleurs. Là, c'était ça, un pince. Voilà. Oh putain, il n'a plus dedans le bateau. Oh. Ouais. Allez, pour qui cette monnaie du coup? Écoute, ça dépend c'est quelle monnaie. Sinon je te la laisse, Gauthier. Si c'est une monnaie que j'ai pas, bon bah je la garde. Oh, pourquoi il fait ça? Tut, on dirait qu'il est à 50, qu'il est tout près. Même si le fond est pas dégueu, mais ça sonne haut. Ça sonne haut, combien? 6,97. Ah bah non, ça va. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, t'as quoi? Ah bah non, marche pas dans l'état de terre. Marche pas dans l'état de terre, ma monnaie. Ma monnaie, pouah. Elle me lèche le crâne. Ah, ça y est. Mais au bout de combien de temps, là? Je sais pas. Quand tu dis ça, c'est qu'il est tout près? C'est qu'il est tout loin? Ah, on y arrive, là. Le pauvre, je le balance déjà, il prend déjà cher. Ah. Ah. Si c'est une pièce assez profondeur. Tu penses que c'est une monnaie, tu balances des grands coups de force. Bah large. Je suis large. Ça dépend d'où elle est. Bah normalement elle est là. Ah tiens, regarde, ça c'est une boucle. Ah c'est une boucle. Tudum. Peut-être avec un peu de déco encore. Ouais non, une patine qui s'en va très facilement. Voilà. Bon bah quand même, ça va aller. Bah oui, ça valait le coup. Tudum. Ouais. Crois toi? Bah ouais, non? Il y a le machin qui m'emmerde un peu. Ça y est, en train de casser la... Vas-y mon Oérix là. La nature, ouais. T'as vu, en plus je l'ai bien posé les amis, vous avez vu, j'ai fait attention. Tu veux que je sorte mon pointeur? Il est tout neuf. Vas-y, sors ton pointeur tout neuf. Il est un peu plus chaud, non? Ouais, c'est ses premières fois. Il crache un peu vite au début. Il m'excusera. Ouais, bon, bah je sais pas. Mais, non, mange-t'en. Là, il est réglé. Après. Il est à 3. Mais j'arrive pas à sauvegarder, en fait. Bah non, il est pas à 3. Okay. Je comprends rien, je comprends rien. Oui, j'ai pas réglé le pointeur avant de partir. Tu dis que normalement, t'entends une petite mélodie quand... Mais oui, j'entends la mélodie. Écoutez, les amis. Non, non, t'entends bien, normalement. Bon, venez par ça. Ça, c'est la mélodie. 1, 2, 3. Programme 3. Bon, j'en sais rien.
éteindre. Voilà. Toi, oui, regarde. Ouais, mais bon, tu captes un truc comme ça, ça. Le bout, là. La pointe. Ah, tu vois. Ouais, bah. Mais bon, c'est vrai que... tiens. Bon, je sais pas, mais les miens, c'est pas ouf, le test. Bon, cette vidéo se transforme en test de... Tu me fous le bordel, là. Oui. Oui. C'est bon. Ouais, c'est impossible, en fait. Je capte le tien, je capte je sais pas quoi, en fait. Attends, je voulais regarder, moi, au, ah. Au casque. Rien. Ah si ça gros faut creuser mec. Mm-hmm. T'es obligé de creuser. C'est peut-être petit, hein, ma pelle, il me la prend de loin là parce que. Attends. Mais j'aime bien mes jeux. Oh là ça je le sens mal. Bon ça va, t'as géré. Oh, c'est pour tes chaussures. J'avais faim. Sortir ton pointeur. C'est pas ma première fois, Gaëtan. Ah ouais, tu arrives. C'est obligé de me tenir la main. Allez, vas-y. Il est vrai que ça devient très profond dans ce trou. Ça me rappelle une copine. Oh putain. Des copains, non? C'est ça, les amis. La pépite. La pépite. Je sais pas, il y a un truc là qu'on a pété en tout cas. Ah, quoi on a pété? C'est toi qui l'a pété là. Quoi on a pété? Les amis, on vient de casser un truc. Vas-y, rentre-le, rentre-le. Ça aurait dû faire gaffe, putain. Déjà, ça s'enferraille. Bah, oui, oui. C'est une pointe. C'est ça qui sonnait comme ça? Vas-y, vois. Je veux que ce soit ça. Hein. C'est un vieux clou. Très vieux clou. C'est un joli son, qui dit. Ouais, moi j'aime bien. Parce que moi, quand même, j'aime bien. Attendez. Je vais pas le dire. Ça, c'est là, en fait. Oui, en même temps. Vous avez peut-être mis votre coup de pelle dessus. Non. Ouais, je trouve pas ça dégueulasse non plus. Ah, c'est de la terre. Ça. Il est tombé, il est dedans. Tu fouilles au pointeur, tu l'auras. Ouais. Il est tombé, il est dedans. Il est dedans. On dit, elle, ah, elle est tombée, elle est dedans. Bah oui. C'est une monnaie. Oui, la trouvaille. Ah. Oh, c'est un joli bouton, ça. C'est un bouton. Oh putain, j'ai fait une monnaie bizarre. Non, c'est un joli bouton. J'espère qu'il sera propre après nettoyage, parce que j'en ai pas des cas. Décoration, tu crois, dessus? C'est un... Non, c'est un bouton. Ça faisait penser à un seau. Il était bien, mon son. Oui, bah oui, je dis pas. Ouais, ouais, nickel. Ah, mais non, mais quoi? Tristan, elle est d'accord. Oui, il va avoir le bouton. Il est beau bouton. Oh, bravo, papa. Un beau doudou. Bien joué. Doucement, doucement les chiens. Oh non mais c'est pour scratcher sa patte là qu'il fasse gaffe quoi. Ouais oui mon titou, ça va? Faire attention les patounes hein. Faire attention les patounes là. Hein. Fais pas le fou hein. Ouais ouais, hein. Pas encore chez le veto. Hein. Faire un cheval? Non. Il y a un morceau de béacoude. Ah bon? Ouais, ouais. Là j'arrive, tiens, bah, je vais mettre ça là, j'ai un son. Non, c'est une bague à coudre. Oui, c'est une bague à coudre. Putain, c'est quoi la bestiole qui me tourne autour là? Ah, c'est toi là. C'est une bague à coudre. Tiens, c'est des guêpes. Tu vois, c'est des petites guêpes, les salopes là. Ouais, c'est ça, les petites bagues à coudre pour Gauthier. Cool. Bien joué, mec. Petite bague. Hein. Pour les petits doigts, du coup, c'est bien ça. On pique. Voilà. Bon, on va aller voir mon petit son qui est là-haut. Attends, là, j'ai deux sons. Voilà, attends, ça a bougé. Non, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde, c'est ça. Tu vois, il y a encore de la merde là-dedans. Mais non, mais c'est de la merde, c'est ça. Ah bon? Oui. Tiens, vas-y. Ah oui, d'accord.
C'est de la vue en même temps, il t'aime bien la vue. De chasse qu'il y a. On verra, on verra. Ça va, ça peut bien décoller. Ça sonne fort en plus. Alors... Oh, oh, regardez. Oh, c'est une belle monnaie. Trop monnaie fort, quoi. J'ai raflé de. Oh, je sais pas. J'ai avec ton couteau. Putain, puis c'est une loulou, ça, je crois, non. Ouais, vas-y, large. Elle poncée, sa mère, et comme un champ de caddie. Non, c'est une loulou, ça. C'est sûr. Ouais, c'est une loulou. Et ici, on voit la balance. Comme quoi, les chemins, des fois. C'est ça, hein. Et là, il y a t'as les droits de l'homme derrière. J'ai la même, en bon état. C'est là, tu peux frotter, elles sont en bon état. Elles, c'est bien celle-là, les amis, c'est bien celle-là. Franchement, trop classe. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment cool. Putain, c'est marrant que tu trouves ça comme ça, c'est ici. Hein. C'est du remblai qui a été rajouté. Tu crois, là-dedans? Ouais, peut-être, ouais, des fois. Ça sonne pas plus que ça. Mais ouais, normalement, toi, t'as une grosse pancarte là et t'as les droits de l'homme ici avec l'œil en haut. Ah, si, elles sont trop belles, les manœuvres. Ah, bah, tu vois, les droits de l'homme, ils tiennent sur un tout petit truc comme ça. Allez, double son pour Gauthier. Serait-ce la tirette en alu? Serait-ce la tirette en alu? Non, pas à 45, elle fait une Je sais pas. C'est encore bien ciblé tout ça. Bah, non, ça a bougé en fait. Tu as bougé. Et là, bah, faut voir les boîtes de terre. Vous êtes en ligne dedans là encore. Non, oh, t'as bougé, c'était ça, j'ai vu là. C'était là. Et puis t'as encore un autre morceau là. Tu vois. Tu peux me le dire avant. Voilà. 60, ouais. Ouais, c'est bien. Oh, oh la vache. Oh ouais. Ouais, ta pelle va être efficace là. Oh la vache. Oh putain, c'est de la glaise. C'est de la glaise. Oh. Sorti. Regarde. Ouais. Encore une monnaie, gros. Monnaie ? Ouais, regardez, on la voit là. Et celle-là, c'est une moitié. J'ai que la moitié. Ah merde. Bah, vous la voyez, là ? Ouais. Elle est mignonne. Hein. Et c'est pareil, putain, c'est encore une loulou. Attends, faut peut-être faire un peu là-dedans, là. Où elle vient d'où, la terre, là ? C'est pas possible. C'est la terre de Remblai. Au bord de la route, comme ça. Lâche. Bah, tu as un couteau, mais. On va prendre le couteau. Une moitié de monnaie. Elle a l'air belle, elle a des beaux dessins. Ouais, ouais, en plus elle est en bon état. C'est loulou, hein. Ah ouais, elle est propre. C'est loulou. Trop bien. Une moitié de monnaie. C'est pas souvent que je fais des moitiés de monnaie comme ça. Bah surtout des grosses comme ça. Ouais. Ouais, peut-être le reste. Peut-être le reste quelque part. Je suis pas en train de... Oh, dommage qu'elle est pas entière. Ah, j'aurais été trop heureux celle-là. Oh, trop le reste. Ah ouais. Pété net. Hein. Propre. Bon, on va regarder le petit chemin là. C'est marrant, ça en venait la voiture. La route est là. Ouais, cool. Ah ouais. Ah oui, ça ressemble à ça. Ah bon à ça. Je m'attendais pas à ça. Une semelle, quoi. Une semelle en ferraille. Qui c'est qui a les pieds plats là-dedans? Avec ça, tu peux dormir que plat. Ouais. Ah bah oui, t'as les pieds même carrés à la fin. Eh ben. Oh. Non, c'est pas sorti. T'entends comment que c'est gros. C'est ça. C'est un petit peu. Regarde, lève là. Oh, t'as vu, ça a fait des étincelles. Oh, oh bah voilà. Magnifique. Ça y a du poids là, mon pote. Non, mais avec ça. Vas-y, il fallait mon tuyau pour moi la vaisselle. Ah bah il y en a, c'est... Non, je sais pas, ils faisaient quoi avec ça, c'est même pas un tuyau. Bah ça c'est une goupille. Une goupille, ça met une barrière, genre, tu vois. Ah oui, bien vu. Tac, ah pardon. Tac, je sais pas. Ah ça, tiens, tu connais ça. Ah ouais, moi j'ai... C'est en boîte. Hop là. Alors, voilà, Gauthier, Gaëtan. Allez, bisous. Voilà.
une douche en rentrant, je t'invite. Bon, non, pas moi. Moi, je prends pas de douche, moi. Mais bien sûr, j'aime pas ça. Ah, je me lave dans les rivières. Waouh! Merci à tous ceux qui sont encore là devant la vidéo. C'est que vous êtes vraiment des fidèles. J'espère que ce deuxième épisode de la saison 3 vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça donne énormément de force à la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et bien entendu, le mot de la fin en commentaire est vitamine. Ah ah, tu l'as pas vu venir celui-là. Hein, je trouve que cette vidéo elle est pleine de vitamines. Non? Allez, prenez soin de vous. Bisous.